Bonsoir. Vous êtes chargé. Moi, je salue tout le monde. Je me disais que ça a commencé à barrer. À chaque fois que je fais un live, Internet est toujours passé. Mais saluez-nous. Si nous avons un petit problème dans Internet, là. Ah non. Et que vous avez commencé à barrer un problème, là. Et je salue Eugénie Pierre. Et salut nous toutes. Et bon, moi, comme si Internet là, petit problème. I don't know why, but anyway, ok. Et cher live là pour moi, je salue nous, son plaisir pour nous, ensemble, je dis encore. Vous avez fait parler ça là. Et. Bonjour Milan, estimable, comment est-ce? Salut nous. Salut chagrin. Culture haïtienne. Salut nous. Pile l'amour nous. Mon bagay. Je dis à Balfon, Balfon t'y parle sur Guy Philippe, non seulement. Leadership, oui, mais nous allons entrer en profondeur dans la dynamique. Est-ce que c'est un mouvement général ou bien est-ce que nous sommes capables d'expecter avec une révolution? Et Philippe Franklin, et moi salue nous. Et Franz Canon, moi salue nous. Franz George, salutations nous, là dans la bataille. Et. En fait, il y a des gens qui disent que par rapport à la vie là, hier soir là, pour vous capable pour me porter quelques précisions pour vous, parce que c'est de concept, en quelque sorte, que vous pouvez habituer avec. Des fois, moi, j'ai estimé nécessaire pour être capable de venir aider à approfondir la compréhension davantage sur la dynamique et qui a déroulé en dedans pays avec l'avènement de Guy Philippe, encore une fois de plus. Et Jean-Ronald Saint-Illustre, me salue nous. Ah, Bossal, il venait. Ouais, bon bagay, Viola, salutations. Et me salue nous toutes. Rodolphe, Guillotto, salutations à tout le monde, salutations. Et ça fait un plaisir, en fait. Et je dis là, nous pour aller analyser, en quelque sorte, événement ça qui a passé en Haïti autour de la personne de Guy Philippe et nous pourrons clarifier les concepts d'abord et puis nous pourrons aller essayer de comprendre la dynamique. Tout d'abord, et dans nos premiers points, nous avons traité quatre conceptuels là et nous allons définir les termes, ok. Deuxième, n'a pas avancé problème là. Et puis troisièmement, on a venu avec identifier piste de solution et envisager les moyens. Et puis pour nous tirer en conclusion, pour nous voir à qui ça lui correspond en quelque sorte la démarche de Philippe. Cher là pour moi. Et il y a deux façons en quelque sorte, mes chers amis, que le monde actuel m'a parlé du monde contemporain, de la philosophie politique, de concevoir moun ka pran pouvoir. J'ai dit, dans la philosophie politique du monde contemporain. Maintenant, yo prévoit que ce soit prendre par voie que yo estime qui est légitime journée aujourd'hui, c'est-à-dire voie démocratique à travers les élections, c'est-à-dire à travers ça aurait les suffrages universels, ou à poser candidat, la conquête du pouvoir, il se fait par voie sa démocratie. Et c'est une raison, en quelque sorte, qui fait l'Occident à prôner démocratie dans le monde, comme modèle de gouvernance politique, parce que, en quelque sorte, la conquête du pouvoir, il passait par voie électorale, que l'élite dominante, là, contrôlait le système électoral, d'effort
possibilité pour ta révolution qui fait, il va pas faire. C'est le premier élément pour nous considérer dans la liste. Dans nos démarches, qui inscrit nos perspectives et de philosophie politique dans le cadre du monde contemporain. Ceci étant dit, Nexayo estimait la seule façon pour le monde conquérir le pouvoir de façon légitime, c'est la vision occidentale qu'a prôné sa journée aujourd'hui, c'est à travers les élections par voie démocratique, libre pour prendre pouvoir. Maintenant, il faut comprendre que ici, la démocratie, dans cette conception-là, ok, la conception ça, c'est une réponse, en quelque sorte, avec l'ensemble des formes de conquête de pouvoir qui menaçaient pendant l'histoire de l'humanité, ça aurait été la classe dominante. Maintenant, lorsque la classe dominante a étudié dans toutes les sociétés qui ont existé comment moun prend pouvoir, yo vin nan yo compte meilleure façon pour yo éviter à ce que intérêt yo pas menacé, c'est créer un mode de gouvernance que yo capable de contrôle. Et mode de gouvernance ça que classe dominante ou toute classe capitaliste, non? C'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais faut nous comprendre que pas oublier avant nèg yo pas dans démocratie. Nèg yo té estimé que pouvoir là son pouvoir monarchique, théocratique, c'est en l'air sorti. C'est-à-dire que légitimité pouvoir théocratique ça, c'est dans le droit divin. OK, la monarchie est le droit divin. Maintenant ceci étant dit, nèg yo vin wè que l'église ou la religion en quelque sorte avec l'avènement de la raison, moun yo commencé à remettre en question les pratiques de l'église comme outil de légitimation de l'oppression de la monarchie sur le sujet, sur l'ensemble des sujets. À ce titre-là, yo vin rendre compte que yo menacé intérêt classe dominante là, menacé parce que l'église ou bien la monarchie ou bien ou, la religion en quelque sorte toujours font seul avec l'État pour y oppresse le peuple, classe défavorisée. Mais yo gardé en quelque sorte dans l'histoire que majorité révolte, soulèvement qui fait yo toujours menacé de whole système, tout système là. Mais yo venait à une formule pour yo pacifier révolte yo, pour yo canaliser énergie peuple là, énergie masse qui sentit en quelque sorte doyolisé. Et c'est ça qui a yo inventé la démocratie. Maintenant, pour nèg yo bay démocratie a comme modèle de gouvernance, une justification historique, yo remonté dans la Grèce antique pour y aller fort comprendre que la démocratie athénienne comme modèle antique de modèle de gouvernance pour yon capable yon bayon légitimité historique avec la démocratie comme modèle de gouvernance. Maintenant, depuis nèg la douron ça, la Grèce antique, Paratimadata, la démocratie athénienne, ou déjà, ouais, en quelque sorte, c'est pas l'Occident, jounen jodi, hein, avec mon contemporain qui a vendu nous démocratie. C'est-à-dire, c'est une pratique qui a existé depuis bien longtemps dans l'histoire. Maintenant, faut nous comprendre bien, c'est ça expliquer, l'a fait philosophie politique. Et pas tout bagay ou, un professeur philosophie politique dit ou, pour prendre comme, comme vérité absolue. Faut faire recherche pas, en dehors du cadre référentiel que yo baroua, pour capable à chercher est-ce qu'il n'y avait pas d'autres modes de gouvernance qui t'aient accouché stabilité, prospérité, et qui t'aient accouché d'autres bagay et positifs. Maintenant, il faut comprendre l'enjeu ici, c'est pas que travail qu'a fait là, ou bien, j'en ai goûté contre pouvoir dans l'antiquité albat. Bon, mais n'est qu'au besoin un modèle que y'a besoin de contrôler. Parce que à travers la démocratie, la conquête du pouvoir est contrôlée par l'euro. La conquête du pouvoir est contrôlée par la classe possédante, par la bourgeoisie, par les capitalistes. Pour qui raison? Parce que leur pral pose candidat, c'est eux-mêmes en quelque sorte qui gagnent les moyens
économique. C'est eux-mêmes qui a financé l'élection. C'est eux-mêmes, en quelque sorte, qui a bord, qui contrôle l'appareil idéologique, yo, qui a voyé dans la radio pour parler. C'est eux-mêmes qui a bord cob pour mener campagne. En quelque sorte, la classe dominante, l'élite possédante, yo mettait mémise, yo fait mémise sur la conquête du pouvoir et la prise du pouvoir et la conservation du pouvoir à travers des mécanismes que yo mettait en place, yo jugeait nécessaire, qui pas menacer intérêt yo, qui pas menacer statu quo, qui pas menacer en quelque sorte stabilité yo en dedans société. C'est ça faire au point d'exa yo avant nous démocratie, parce que c'est le modèle le plus approprié aujourd'hui pour conserver en quelque sorte l'hégémonie et la dominance de la classe possédante, la classe capitaliste bourgeoise. Maintenant, ceci étant dit, il faut comprendre, c'est une façon pour canaliser l'énergie de frustration du peuple là. Il faut comprendre que pour fâcher ou frustrer ou sentir doit léser, il faut aller dans les urnes, il faut qu'on bouc émissaire. Maintenant, comment ça fait? Selon une analyse marxiste, la société capitaliste, en quelque sorte, bourgeoise, je pourrais parler de ça, on a une lutte des classes. Mais, à partir de ce qu'on appelle la propriété privée et ce qu'on appelle la concentration des moyens de production entre les mains d'une minorité possédante, il pourrait déterminer, en quelque sorte, deux catégories antagoniste en dedans société. De côté, vous avez moun qui pas possède yo. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui possèdent l'ensemble des ressources. Deux classes sa yo, en quelque sorte, nous parlons très dans dynamique antagoniste, yon face à l'autre, mais en quelque sorte, le prolétariat selon le langage est utilisé par Karl Marx, pour la nécessité pour organiser lui, pour le capable accoucher ce qu'on appelle la révolution prolétarienne à travers la conquête du pouvoir et le rétablissement de l'État prolétarien, la dictature prolétarienne, pour accoucher ce qu'on appelle un modèle, une nouvelle société plus juste sur la base de la conquête de la justice sociale. Maintenant, l'enjeu ici, c'est que le système capitaliste, les capitalistes, la classe capitaliste a compris l'enjeu est de taille pour les intérêts capitalistes. Après plusieurs tentatives pour contrecarrer révolution prolétarienne, révolution communiste, socialiste dans le monde, là, ils viennent avec une idée géniale dans l'histoire de la philosophie politique. C'est l'idée géniale de la création d'une nouvelle classe intermédiaire qu'on appelle la classe moyenne. L'idée de la classe moyenne, c'est en quelque sorte les intellectuels capitalistes qui mettaient au service de la classe capitaliste, qui pourraient venir inventer nouvelle classe ça, en quelque sorte, qui pourraient servir comme écran et bouc émissaire, bien entendu, à classe capitaliste bourgeoise là, vis-à-vis de la masse prolétarienne. Maintenant, les ouvriers révoltés contre la classe dominante, ils ont utilisé une classe moyenne, ils ont mis en présence sous, et classe moyenne, ça, c'est lui-même qui jouait Wall Book émissaire, c'est lui-même qui jouait Wall écran, qui pour empêcher révolution faite en dedans société contemporaine moderne. Alors, il faut comprendre que le génie capitaliste qui a inventé la classe prolétarienne, c'est un travail extraordinaire. C'est une invention qui plus extraordinaire, qui explique en quelque sorte la consolidation de la classe capitaliste dans le monde, je ne veux dire. Et c'est une bagaille qui explique, je ne veux dire, sous besoin faire des changements sociaux en dedans société, sous besoin accoucher une nouvelle société, yon en classe que on pral faire face avec qui pi dangereux zande dans société ça, c'est la classe moyenne. Maintenant, les n'a parlé de conquête du pouvoir,
Il y a un concept que toujours utilisé dans le monde occidental qu'on appelle la violence politique. La violence politique, c'est l'usage de la force pour conquérir, en quelque sorte, le pouvoir. Et la violence politique, dans les sociétés occidentales, capitalistes, ils ont condamné la violence politique. Pour quelle raison? Parce que ils prônaient la violence politique comme forme, moyen de conquérir le pouvoir, le contraire avec l'idée de démocratie. Maintenant, ceci étant dit, moi, énumérer pour nous l'ensemble des formes de violence politique pour la conquête du pouvoir. Ok? Premier outil au capable de conquérir bataille pour participer dans la politique, c'est à travers la rébellion. Ok? La rébellion, c'est une forme de, en quelque sorte, participation politique pour conquérir le pouvoir. Maintenant, avant la rébellion, une forme que nous avons inventée, il y aurait le mahonnage. Le mahonnage, c'est pas une forme de participation, mais c'est une forme de résistance par rapport avec le système en place établi. Ok? Ou vingé, ce qu'on appelle soulèvement général après la rébellion. Ou qui doit rebeller, mais ça ne veut pas dire pour autant l'objectif ou c'est la conquête du pouvoir. Ça t'est arrivé Guy Philippe en 2004. Guy Philippe révélé contre le régime à la Valasse, mais Guy Philippe, pour qu'on ait maturité spirituelle, pour comprendre que il est capable de conquérir, il est capable de saisir le pouvoir, parce que monsieur Potko a maturité spirituelle et maturité politique pour ça. C'est une erreur qui cause lui à finir dans la prison. Maintenant, il faut comprendre que l'on fait ça ou les rébellions, yo pral barrer là où t'as rompu devant, parce que rébellion ne veut pas dire pour autant ou rébeller contre l'autorité, mais rébellion pas vle dit qu'on besoin pouvoir. On ti moun ka rebeller contre papal. On ti moun ka rebelle contre l'autorité maman, yo rele le rebelle, la faire rébellion, mais ça pas veut dire pour autant que le besoin prend pouvoir, ou bien le besoin remplacer papa. Maintenant, il faut comprendre que le cheminement de la conquête du pouvoir, il est plus grand, il est plus long parce qu'il y a une simple rébellion. Maintenant, il y a un soulèvement général. Vous passez de rébellion à soulèvement général. Il y a un soulèvement général, contrairement à rébellion, qui lui-même limité en groupe individu, armé, pour prendre, pour contester contre le pouvoir, ou bien renverser le pouvoir sans pour autant prendre le pouvoir, le soulèvement général lui-même, en quelque sorte, lui visait, qui ça? Lui visait le pouvoir, mais en réalité, les mécanismes pour arriver à prendre le pouvoir, lui chita sur le peuple. Or, le peuple, pas qu'à prendre pouvoir. Pour qui raison? Le peuple, ou pas qu'à diriger avec le peuple. Ou pas qu'à diriger avec le peuple. En d'autres termes, ou capable d'utiliser un mouvement général, ok? T'aimes bien, ou capable d'utiliser un pouvoir et un mouvement général pour capable conquérir le pouvoir. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on remettait en question le système. Mouvement général, pas jamais en quelque sorte, renverser système. Mouvement général, toujours attaquer symptômes. Mouvement général, toujours attaquer et phénomènes. Mais mouvement général, par exemple, accoucher, ça aurait un chambardement du système. On est clair sur ça? Et c'est ça t'expliquer, tête Boukman coupé, parce que Boukman te fait un mouvement général, le soulèvement général, qui va accoucher avec une révolution. Maintenant, ou gagne, ça aurait guerre civile. Guerre civile, en quelque sorte, c'est le fait que le problème identifié dans la société vient mettre en évidence différents types de catégories, groupes ethniques, groupes religieux, groupes blancs contre mulâtres et guerre civile. Ça, c'est que les deux camps armés, il y a bataille pour la conquête du pouvoir, pour le Kembe prendre contrôle l'État.
Ça, ça c'est guerre civile. Ça va pas mentir la donne. Guerre civile, non, c'est que yon fraction dans la société a décidé de prendre les armes, il pas rébellion, non. Faites attention, guerre civile pas rébellion, non. Guerre civile, parce que guerre civile involve population, armée, deux groupes différents armés, mais il y a bataille pour yon exterminer l'autre groupe là, et puis pour yon prendre contrôle de l'État. Maintenant, gagnons coup, gagnons qui rive plus loin, il y aurait les coups d'État dans forme de violence politique. Coup d'État, il est toujours orchestré par le système. Oh, prof, là, ça dit ça. T'aimerais dire ça encore. Coup d'État, par exemple, fait contre système. Coup d'État, toujours orchestré par le système qui paraît aimer Jean gouvernement à fonctionner. C'est toujours la classe dominante qui bat coup d'État en dedans société, en dedans pays. Depuis qu'on coup d'État qui fait, c'est toujours classe capitaliste là, li fait coup d'État toujours sorti en l'air, coup d'État pas jamais sorti en bas. Coup d'État, c'est toujours la classe dominante, OK, le système qui en quelque sorte par aimer décision politique que gouvernement apprend, OK, qu'on y a là, li utilise force régalienne yo, c'est-à-dire li prend au état-major l'armée yo pour bay coup d'état, OK, parce que met système nan senti intérêt li menacé. Ça, c'est coup d'état. Il y a deux acteurs qui toujours en quelque sorte bay coup d'état dans le monde là. C'est communauté, c'est ça nous relé l'Occident. Ça nous relé États-Unis, Canada, ils ont toujours bail l'autre pays coup d'état. Et c'est toujours classe dominante là qui gagne intérêt en jeu, qui toujours utilise une fraction dans l'armée, institution ça pour bail coup d'état. Coup d'état toujours, coup d'état sont forme de violence politique pour prendre pouvoir. Maintenant, mais coup d'état parler contre le système. Au contraire, c'est le système qui cap jouer game ni, OK, qui protéger tête li à travers un coup d'état. Maintenant, quelle autre forme de violence politique qui fait pour la conquête du pouvoir? L'assassinat. L'assassinat en quelque sorte, il pas forcément un coup d'état. Ou qui doit assassiner un président, mais ça ne veut pas dire pourtant c'est coup d'état. Ça va dépendre parce que soit assassiner un président, mais équipe président d'ancien là camper les rênes du pouvoir, il va coup d'état. Des mots qui vont dire au sort là, ça me dit assez bien. On va le redire ça me dit là. On va l'expliquer pour nous. Les Jovenel assassinés, les assassinés Jovenel, libéraux coup d'état. C'est une violence politique qui fait libéraux coup d'état. Pour qui raison beaucoup coup d'état? Parce que si Claude est premier ministre, il a assassiné Jovenel, pouvoir nommer équipe Jovenel là. Si pouvoir nommer équipe Jovenel là, c'est que pourquoi il y a un coup d'état? Il y a un assassinat politique, mais pourquoi accoucher coup d'état? T'aimes bien ça m'a dit là, bien, pour nous comprendre. Le fait que il y a assassiné président Jovenel, pas veut dire le coup d'état. Parce que pouvoir, t'es nommé partisan Jovenel. D'effort, puisque pouvoir est nommé partisan Jovenel, ou pas qu'à parler de coup d'état, ou qu'à parler de assassinat politique qui fait, mais qui peut encore arriver dans le stade coup d'état. Est-ce que t'as dit? Maintenant, qui est-ce qui peut arriver dans face coup d'état? Qui est-ce qui prend coup d'état? Qui peut concrétiser coup d'état? C'est le premier ministre Claude Joseph by Ariel pouvoir. C'est là ça, Livin tourner coup d'état. T'es prêt dit samedi là. Nous passons de yon assassinat politique à yon coup d'état. Assassinat politique là, yon assassiné président, mais pourquoi coup d'état? Pourquoi raison pourquoi coup d'état? Parce que tout nèg qui était avec Jovenel yo, tout partisan Jovenel, premier ministre, gouvernement Jovenel yo, yon gen pouvoir nan men yo.
Toujours. C'est-à-dire que, ou pas qu'à parler de coup d'État. Ok? Maintenant, coup d'État, attendez bien, oui. Coup d'État, vini, du moment où Claude passait pouvoir à Ariel. Maintenant, son coup d'État voulu. Maintenant, pour quelle raison les problématiques? Les problématiques parce que en réalité, c'est Claude qui finalisait coup d'État. T'aimerais dire ça me dit là. L'hypothèse de phase coup d'État. C'est Claude, le bail pouvoir, qui finalisait coup d'État. Ok? Qu'on y a là, n'est-ce assassiné Jovenel, et puis qu'on y a eu prend pouvoir, ou qu'il doit assassiner un président, mais on pas prend pouvoir. Ou qu'il doit assassiner un président, mais on pas conserver pouvoir. Maintenant, n'est-ce assassiné Jovenel, après une période de temps, yo joué dans tête si Claude, yo manipulé l'opinion publique, yo manipulé les appareils idéologiques, et puis yo utilisé pression sur Ticlode, fait Ticlode nan lâcheté li, bay pouvoir pour finaliser coup d'état. C'est ça. Coup d'état. Maintenant, nous arrivons avec femme, bagay qui pi important. C'est ça yo rele. C'est ça yo rele révolution. Et ce concept ça, besoin nous venir journée aujourd'hui. Pas oublier, moi parler de rébellion, moi parler de soulèvement, moi parler de marronnage, moi parler de guerre civile, moi parler de coup d'état, moi parler de soulèvement général. Maintenant, moi parler traiter ce qu'on appelle révolution. Ou qui doit un rebelle? Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont révolutionnaires. Maintenant, nous parlons de la différence qui gagne. Prêtez attention bien. Prêtez attention bien à ça, m'a dit là. Debout du révolution, il y a trois phases pour considérer. L'avant, pendant et l'après. Au prof, ça dit là. Nous remarquons que m'a utilisé trois éléments à haut. L'em tap analyser premier concept. De bois dit révolution, il y a trois phases pour considérer. L'avant, phase préparatoire, phase préliminaire, mais c'est le plus important. Et deuxième phase là, c'est pendant, c'est-à-dire la consolidation de la révolution. Par la, l'offre prend pouvoir. Et puis, troisièmement, l'offre consolider pouvoir où, qu'on y a ou tomber dans la phase où elle est transformation de la société pour accoucher une nouvelle société qu'on a besoin. Maintenant, regardez ça, et, m'a dit très, 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 très bien. Prêtez attention. Pour nous comprendre, démarche, dit Philippe Lang, et dans forme de pou, de forme de violence politique, ça, qui option, Guy Philippe, gagne en amène. Est-ce que Guy Philippe son rébellion, bref, fait? Est-ce que Guy Philippe son coup d'état, lui compte fait? Est-ce que Guy Philippe son guerre civile, lui débouche, lui compte fait? Est-ce que Guy Philippe inscrit tête li non perspective de soulèvement général? Ou bien est-ce que Guy Philippe inscrit tête li non perspective de révolution? Révolution, toujours visé à renverser le système en place, la société que nous gagnons telle qu'il est, et pour capable accoucher une nouvelle société, un nouveau système. Maintenant, pour nous comprendre bien, tout d'abord, ce qui est important, avant de nous garder les possibilités, nous garder qui problème qui gagne en dedans société. Et, ces problèmes, nous l'ont identifié, problème non bien. C'est lui qui dit, en quelque sorte, qui solution, qui plus appropriée pour mode, pour type de problème, ça nous vient là. T'aimerais dire, ça me dit encore. L'aide finalement identifié problème, nous pourrions garder
dans ça nous présenter là rébellion, coup d'état, guerre civile, assassinat et soulèvement général, révolution, qui ça nous forme ça yo qui plus approprié pour capable en quelque sorte résoudre problème que nous gagnons là. Maintenant prêtez attention. Qui problème qui pose actuellement là en dedans société haïtienne. Nous va faire panorama pour nous du problème qui présenté. Les n'a parlé de problème des deux façons traiter problème présenté. Des problèmes qui caractérisé de façon symptomatique, il y aurait les problèmes ça yo phénomène. Prêtez attention à ça m'a dit là. Gen des problèmes qui présentaient baou de façon symptomatique. Problème ça yo l'a identifié yo ou identifié yo comme phénomène. Par exemple, insécurité. Insécurité son symptôme. Insécurité pa yon pa cause et insécurité son effet. Insécurité en quelque sorte, c'est un phénomène. Corruption. Corruption, c'est un phénomène. Corruption, c'est un phénomène. Corruption, c'est un symptôme d'un système qui pourrit. Côté valeur morale, yo, et effrité, ok? Côté cadre référentiel, valeur morale et spirituelle, yo, effrité, c'est normal pour accoucher corruption au plus niveau, au plus haut degré. L'insécurité, c'est normal lorsque le système n'a pas valorisé la vie, c'est normal pour lui déboucher sous sa relais insécurité à cause, en quelque sorte, les conditions socio-économiques pas réunies pour pallier à déficience sa yo, qui pral mette moun ti, jeune garçon, jeune femme yo, dans situation, côté que yo obligé utiliser yo à des fins pour yo commettre des crimes, gang, et créer sa relais phénomène de sécurité. Qui ça veut dire par là? Il ne faut pas confondre un phénomène, un symptôme avec une cause profonde, un problème. Et deux bagages différents. Un problème qui doit un effet, un problème qui doit une cause. Sous prend qu'on effet pour problème, solution pas durer. Mais sous prend cause là, comme problème, solution apportée à cause, hein? La bon caractère radical, la bon caractère transformateur, la bon caractère de changement radical, c'est laisse ça, la pral résoudre effet. Soit attaquer à effet, il va bon. Attaquer à effet, vous voulez dire, en quelque sorte, que vous acceptez cause là. Que cause là, c'est pas lui qui est fait. C'est-à-dire, ou nier ce qu'on appelle la causalité, le lien déterministe qui existait entre effet avec cause là. Parce que, si vous prenez effet comme problème, ou quitter cause là, c'est que vous négligez le lien qui existait, le lien causal, de causalité qui existait entre cause là et effet. Ça, très important pour nous comprendre. Maintenant, si nous disons, après gouvernement, hein, a le même discours avec Guy Philippe. Gouvernement a dit comme ça, oh, insécurité, n'a pas combattre insécurité. Oh, corruption, n'a pas combattre corruption. N'a pas discours, c'est sous phénomène, non. Mais l'autre de Guy Philippe. Guy Philippe dit, pays a pas carré comme ça, des problèmes de sécurité, des problèmes de corruption, qui problème pays a, ou est, gon problème quelque part. Parce que focus, non, c'est sous phénomène, non, lié, li pas sous cause, là. Et, discours, ça, yo, gon similarité, parce que, discours, ça, yo, ni bon côté gouvernement Ariel, là, ni bon côté, camarade, Guy Philippe, yo adressé à phénomène, non, mais yo pas adressé à cause, là. Et, gon raison pour ça. Non, bah, ouais. Qui raison d'expliquer ça? Ceci étant dit, si c'est un phénomène ou adressé,
solution a différent. Mais si c'est cause là ou adresser solution a différent. Maintenant, dans le langage technique, il y a des gens qui parlent de cause structurelle, il y a des gens qui parlent de problèmes conjoncturels, il y a des gens qui parlent de problèmes structurels. Nous tendons à parler de ça. Oh oui, les nègres ont fait analyse, ils ont dit problème pays a gagné son problème structurel. C'est-à-dire, cause profonde, cause problème pays a, c'est pas conjoncturel, c'est-à-dire, c'est pas phénomène, mais cause, non, c'est cause structurelle, c'est-à-dire, cause beaucoup plus profonde, yo systémique, parce que yo attaché à système, non. Mais, ou après, nègres, ça, c'est discours, yo gagné. Parce que pour attaquer en cause profonde, en cause structurelle, ou pas qu'à attaquer, ou pas qu'à résoudre, lui-même, j'en résoudre, y'a problème conjoncturel. Ou pas résoudre, problème structurel, par politique, publique, ça pas fait. Ou pas qu'à attaquer, y'a un système, pour résoudre problème, ni, avec politique publique, ça va exister. Parce que, ça va exister. On va le montrer, non? Mais pour du politique publique, vous voulez du coquer le pouvoir. Faut que le pouvoir dans le monde public. Et là, vous avez contrôle l'État. Mais si vous avez contrôle l'État, l'État fait partie du système, non? L'État, c'est l'acteur du système. Maintenant, comment on va utiliser l'État pour combattre le système, non? Et là, on peut le piéger. C'est là un pile nèg piégé, Aristide piégé là, Jovenel piégé là, et un pile politicien qui prend pouvoir piégé là. C'est soit on va abandonner dossier là, ou qu'un bécis, ou quitter système là, j'en y a, ou bien on va essayer changer système là avec l'État ou mourir système là un jour. Mais t'as quelqu'un qui va dire, oh, professeur dit là, il ne faut pas confondre les choses. L'État, c'est ce qu'on appelle une superstructure. L'État n'est pas le système. Oh, professeur dit là, dès qu'il y a confusion dans Bueno. L'État, c'est quoi l'État? L'État, c'est l'espace dans lequel le pouvoir t'a supposé exercer. Le fait que le pouvoir exercé dans l'État ne veut pas dire pour autant que l'État ta, c'est le pouvoir. Mm-mm. Qui ça, prof là, qui sont dit là? M'a prédit encore. L'État, c'est le lieu où le pouvoir est exercé. L'exercice du pouvoir n'est pas synonyme aux sources, à source de pouvoir. Des gens qui confondent le fait qu'on a exercé le pouvoir, voulait dire que ou c'est source pouvoir. Et ben, vrai! Sous pouvoir, c'est lui-même qui baille autorisation pour pouvoir exercer. L'État, en quelque sorte, en tant que superstructure, c'est le lieu où le pouvoir est exercé, mais la source du pouvoir, c'est l'infrastructure. Ce sont ceux qui contrôlent, qui détiennent les moyens de production, qui contrôlent les moyens de production, qui possèdent l'infrastructure, c'est eux-mêmes qui ont le pouvoir réel là. Ah, l'État n'est pas le système. Et si monsieur en Haïti, et yo prenons courir là. Ou pas qu'arriver dans l'État pour dire que ou va vivre des systèmes à terre. C'est pas vrai. Parce que l'État, en tant que superstructure, l'ichita sur une infrastructure qui kembel. Infrastructure, ça, c'est lui-même, en quelque sorte, que minorité capitaliste bourgeoise yon kembe. C'est yon kembe pour l'État. C'est yon base là. C'est yon kembe pouvoir. Et c'est ça, Jovenel, vin rendre compte. Les Jovenel mouté dans tête l'État, Jovenel a exercé pouvoir, mais Jovenel pas gagné pouvoir. Oh, yo, yo.
T'aimerais dire ça, me dire là. C'est ça le problème. Jovenel a exercé le pouvoir, le bali exercé, c'est la superstructure, mais Jovenel n'a pas de pouvoir en tant que source. Et c'est ça qu'on va l'apprendre, Jovenel. Système n'a pas le vide, monsieur à terre, parce que système n'a, c'est lui-même qui infrastructure, qui permet pour vous, l'État exister. À ce titre-là, mes chers amis, Jovenel, rendu compte l'idée, lui dans l'État, l'a exercé pouvoir sans pouvoir. Sans que le baguette pouvoir. Parce que, à chaque fois, lui décide, lui voulait faire un bagaille, système n'a pas de résistance. À chaque fois, lui utilise l'État pour le vider, pour le manger système n'a, oui, maïli, que c'est lui qui n'a pas de pouvoir. Comment système n'a, oui, maïli, qui n'a pas de pouvoir? C'est exercer ou pas exercer pouvoir, pas de pouvoir. Système non mobilisé. L'ensemble des autres infrastructures, les autres superstructures qui entouraient l'État comme infrastructure, comme superstructure. Pas oublier. Là, nous parlons de superstructure. L'État, c'est superstructure. L'État, c'est une superstructure que système non infrastructure l'a mis en place. Bah, le bon exemple, l'église, c'est son superstructure liée. L'école, c'est superstructure. Et les médias, c'est superstructure. Comment on est capable de dire là, oui? L'État, c'est superstructure. Mais faites très attention. Nèg qui gen contrôle, infrastructure, yo contrôlé, superstructure, yo. Et, yo créé superstructure ça yo autour de l'État pour yo capable contrôler l'État. Yo utilisé l'Église comme superstructure. Yo utilisé l'école comme superstructure. Yo utilisé média yo comme superstructure. Et puis ça fait yo utilisé droit humain, organisation droit humain yo comme superstructure, pour yon constituer ce qu'on appelle société civile, de façon à ce que yon contrôle comment l'État ça a pral exercer pouvoir que yon balia. En réalité, l'État a pas de pouvoir, oui. Dans une société capitaliste, socialiste, dans une société capitaliste, l'État a pas de pouvoir, oui. L'État, c'est une traduction de la volonté de la classe dominante. Les jeunes dans l'État, t'es moutre nous, jeunes dans l'État là, mais l'État, regardez bien pour nous, mais l'État dans mi-temps, ou on a. Jeunes là, ça c'est l'église, ça c'est l'école, université, ça c'est et droits humains, ça c'est appareil idéologique. Tous les quatre ça yo, ce sont des infrastructures, des superstructures que sous pouvoir qui c'est infrastructure utilisé pour contrôler l'État. L'utiliser université, l'école, l'utiliser l'église, l'utiliser médias, l'utiliser société civile pour contrôler l'État. Maintenant, l'arrivée là dans tête l'État, ou pensez que ou pral chambade système nan qui c'est ça? Ou pensez qu'on chambade système nan qui c'est ça? C'est-à-dire que ou pral contrôler l'ensemble du système pour chambade, et bien qui ça te passe ou là? Mais ça te parle pas sur là. Et ça trive Jovenel. Les Jovenel rendent ni compte. Libé, je changer. Condition. Système, non. Tout bagaille, qui ça Jovenel gade? Li ou à l'église levé dans moudal. L'el gade, li ou à l'église levé dans moudal. Li voyage le biou. Li ou à média yo levé dans moudal. Oh, l'el gade, boum!
mouvement étudiant levé dans moudal. Boum, l'el gade, li wè, Douazimé, société civile, levé dans moudal. Maintenant, qui ça vous fait? Infrastructure, là, qui contrôlée par classe dominante, là, activer les appareils idéologiques, superstructurels, qui entouraient l'État, pour être capable de neutraliser l'État. Nous allons les dire là. Pour qu'on neutralise l'État, de quoi pour l'État pas attaquer le système. Là, neutraliser l'État sorti pour faire résistance. L'État poussé à gauche, l'Église baril. L'État poussé à droite, société civile baril. L'État poussé à l'est, université mouvement étudiant baril. L'État poussé bon ici, média baril. Maintenant, bon, l'autre outil aussi, que n'a parlé après, qui c'est, ça y aurait les, et communautés internationales là. Ok? Qui fait partie aussi des superstructures là. Attendez, qu'on y a ça qui parle passé? L'amitié gardé, lui voit tout côté le bouger. Tout côté le bouger. Yo baril, l'église baril, l'université baril, média baril, société civile baril, communauté internationale baril. Qu'on y a le bac à faire changement, le système n'a été intact. Qu'on y a qui ça, monsieur fait? Ça, monsieur fait, monsieur dit, ah, t'es mal adressé directement avec peuple là. Problème qui gagne. Les jeunes dit, t'es mal adressé avec peuple là. Parce que peuple là lui-même là li nan tout en dedans là ça passe monsieur l'a dit ça c'est que ça Jovenel oublié c'est que ça le peuple là c'est l'église média et société civile et Douazimé l'école c'est eux qui contrôlaient peuple là. C'est eux qui contrôlent les cervelles du peuple là. L'école contrôle les cervelles du peuple là. L'église contrôle les consciences du peuple là. Médias contrôlent l'opinion du peuple là. Société civile contrôle votre peuple là. Et puis sortant des atouts, communauté a contrôlé les bagages. Ça veut dire, les gens venaient arriver. Jovenel dit, bon, mal appuyé sur le peuple là. Pour le peuple là, quand Edem, l'État, pour l'État capable accoucher changement voulait accoucher dans le système non les jeunes regardaient li ouais c'est même peuple ça que appareil ça yo utiliser pour lever dans mondal même peuple là même moun qu'après qui t'a dit vive Jovenel yo c'est même yo même qui dans la rue qui dit aba c'est même yo même qui dans la rue a fait manifestation c'est même yo même Kap di si Jovenel va aller na mouri si on va aller na mouri qui est souvent c'est kap manipulé c'est système non qui utilise l'église catholique qui utilise protestants qui utilise média qui utilise société civile qui utilise les universités pour yo manipuler peuple là contre l'état nous dans des caca maintenant les monsieur arrivé là li rend ni compte. Toutes les la parler avec peuple là, c'est avec un monde soud la parler. Oh, peuple là, si nous pas levé, peuple là, si nous, peuple là, arrêtez, bekeke. Ça, Jovenel pas conscient. Jovenel pas conscient que l'esprit peuple là, conscience peuple là, vent peuple là, déjà en bas griffe système, non. T'aimerais dire samedi là. Ça, Jovenel pas conscient. C'est que l'esprit peuple là, vent peuple là, conscience peuple là est fermé en bas griffe système là. L'esprit peuple là contrôlé par l'église par l'école, université avec média. Conscience peuple là contrôlé par l'église catholique avec protestant en dedans pays là. Qu'on y a la vote peuple là, il est contrôlé par ce qu'on appelle société civile. Société civile c'est et société moun k ap bay travay ki ti entreprise k ap bay kòm k ap bay moun travay ti job an dedans société. Therefore les jeunes n'ont ni compte
Li pa ka fan yin la. Jovenel di loue koulev set tête la. Li wèl pa ka fan yin la. Jovenel gen ni kote li pa gen pouvwa nan men. Kon ya Jovenel rive non pren, li commence à péter coquin. Li commence à plaguer tout bagay de yo. Oh, nèg avec constitution nan men yo, pral marché alba. C'est ça te fait. Jovenel vin utilisons technique. Côté que, li invite peuple à vin poser le question nan palais national. Pour y a diffusé de quoi pour l'ouest, il a ouvert, j'ai peuple là. C'est-à-dire, monsieur vient prend position, côté que la bat pour le contrecarrer les appareils idéologiques et infrastructurels du système. Maintenant, ceci étant dit, technique de communication, ça, pour l'ouest, il a réveillé conscience peuple là, qu'on y a eu invité, moun vient poser question, vient balle question, vle, ceci, c'est là. Jovenel rend ni compte que travail ça pas qu'à marcher, pour qui raison? Parce que système non, solide en pile. Maintenant, les Jovenel rendent ni compte. Bagage ça va pas marcher. Jovenel al derrière utiliser le droit. Ça veut dire le droit. Là, utiliser les instruments de droit pour attaquer les intérêts par le droit. T'as bien bien oui. Les Jovenel regardent leur communication va pas marcher. Monsieur pour la route. Monsieur al utiliser le droit. ULCC, ok, pour attaquer intérêt. Maintenant, ces affaires autant de, oh oui, ce génère est dans le tribunal avec l'État. C'est-à-dire, il attaque intérêt non, devant la justice, dans le droit. Maintenant, c'est là le problème n'a pas commencé. C'est là le problème n'a pas commencé parce que la justice n'est pas indépendante. Maintenant, qui ça peut pas le passer? Les messieurs utilisent le droit pour attaquer intérêt net dans le système, non? Décision, ordonnance juridique, y'a une force de droit. Maintenant, ce génère va le fermer. C'est si c'est là va le fermer. Eh bien, mais ça va le passer là. Qu'on y a là, nous pour assister avec un coup. Qui coûte pour assister? Qui coûte pour assister? N'est-ce qu'on rend compte? L'église fait manifestation, société civile fait manifestation, les étudiants, mouvement étudiant fait manifestation, et tout bagage fait manifestation, yo pa ka vide Jovenel Ali. SDP, pa ka vide Jovenel Ali. Média yo, pa ka voye Jovenel Ali. Qui ça nèg yo fait? Et nèg yo gade, yo wa Jovenel a utilisé le droit pour attaquer intérêt yo. Ça nèg yo fait? Nèg yo, utile, voye derrière, mercenaire. Tendez? Yo voyez des mercenaires. Étrangers. Mercenaires, ça yo. Avec pour objectif. Assassiner Jovenel. Mais, tendez bien. Objectif là, c'est assassiner Jovenel. Maintenant, posez cette question. C'est Jovenel qui était vrai problème, non? Si Jovenel était une équipe avec elle, n'est-ce pas manger toute l'équipe là avant de arriver sur Jovenel? T'aimerais dire samedi encore. Les n'est-ce pas derrière mercenaires pour venir assassiner Jovenel? Il y a un bagage clé sous lui. Il y a clé que Jovenel. Tout n'est qui avait Jovenel, yo pas avec Jovenel. T'aimerais dire samedi à la. Les nèg yo al deye, mercenaires yo pou vin manger Jovenel. Gagnon bagay que nèg yo convaincu de li. Yo conscient que tout nèg qui entoure Jovenel yo, yo yon pas avec Jovenel. Maintenant, comment yo va le faire? Comment va le faire ça? Depuis nèg yo te gen garanti. Yo te convaincu. Gen deux ou trois nèg qui nan gouvernement qui avait Jovenel 100%. Yo t'ap manje nèg sa yo avant yo rive sou Jovenel. T'aimerais dire samedi encore. T'aimerais dire samedi là. Depuis nèg yo te gen garanti. 100%. Qui gagne au moins deux ou trois nègres qui
qui avec Jovenel, yo t'a tué trois nèg sa yo avant yo rivé sur Jovenel. Tenez ça me dit là. Nèg yo gen garanti 100% que pas gon nèg qui ka empêché yo manger Jovenel. Ah! Guys! Guys! Nèg yo clair sur ça. Yo clair que pas gen yon nèg dans gouvernement Jovenel là qui ka empêché yo manger Jovenel. Yo gen garanti ça. Gadi. Non seulement yo gen garanti nèg yo pa ka empêché yo mare Jovenel, assassiner Jovenel. Yo gen garanti aussi. Même là yo fin tuer Jovenel. Nèg yo pa ka fè rien. Ah, nous pas avec. Abrancé. T'es vrai dit. Nèg yo gen garanti. Ni avant yo assassiner Jovenel. Pas gen nèg dans entourage Jovenel qui ka empêché yo assassiner Jovenel. Et nèg yo gen garanti. Même là yo fin assassiner Jovenel. Pas gen nèg qui était dans entourage Jovenel qui ka empêché yo prend pouvoir. Yo gen garanti ça. An gade moun wè. Jovenel met un gouvernement sous pied. C'est Jovenel qui mourit en tant que président. Pas un ministre qui mourit. T'aimerais dire ça me dit encore. Nèg yo tellement qui garanti. Yo ka manje Jovenel. Pas gen un balle qui a parti. Pas gen un cartouche qui a pété. Pas gon nèg qui ka barre out li. Out yo. Yo tellement qui garanti ça. Yo fin manje Jovenel. Même yon ministre, pas perdu la ville. Même yon directeur général, pas perdu la ville. Même yon sécurité, pas perdu la ville. Même yon green ball, pas parti. Ouais, garanti nèg yo gen pour yon manger un président. Tenez. Est-ce que nous avons garanti nèg classe politique yon gagné pour yon manger un président? Ça veut dire, pigou dangereux, c'est pas nèg qui mange Jovenel, yo, non? C'est nèg qui t'est entouré Jovenel, yo, qui pas qu'à défendre Jovenel, qui pas d'avoir Jovenel. T'aimerais dire samedi, à là. Pigou danger qui cause Jovenel mourir, c'est pas nèg qui entre qu'à l'assassiner Jovenel, yo, non? C'est pas moun qui monte complot, non? C'est moun qui te nan environnement Jovenel. Qui te supposé avec Jovenel. Qui te supposé à protéger Jovenel. Qui te supposé mourir avant Jovenel mourir. Nèg sa yo, bay, complote yo, garanti. Yo met manje Jovenel, yo pa ple von pay. Yo bay nèg yo garanti, yo met manje Jovenel, yo pa leve yo bay, yo peta pa pete. Effectivement, yo manje Jovenel, yo peta pa pete, yo ministre nan gouvernement pa mouri, pa gen yon nèg même. Mais mon festival, pa vouye. Ou kon sa de belle là? C'est après, et après assassinat Jovenel bagay la Bible. Nèg yo tellement à l'aise dans le système, non? Yo dou, même les nous fin tuer Jovenel, ou pas besoin de craser corps pour ti Claude, n'a pas géré ça. T'aime dit nous, ti bagay. T'aime dit nous.
Attendez. T'aime, dis-nous bien. N'est-ce qu'il n'y a pas de problème avec Ticlode même? Il y a tellement de garantie que le pouvoir après tomber dans le meilleur, après, il y a fini assassiner Jovenel. Ah. Nous ne comprenons pas ce que je dis là. Guys, depuis Negio, te connais, Ticlode, Léon fin assassiné Jovenel, Ticlode te ka fait un bagay sérieux. Yo tap manje Ticlode avant même Jovenel assassiné. T'aimerais dire samedi à la, pour tout le monde. Depuis, Negio te connais, Ticlode, t'as mangé yo. Ticlode, t'as fuck yo. Vie yo te menacé. Après, yo fin assassiné Jovenel, premier moun. Yo t'as mangé avant yo mangé Jovenel, Ticlode. Guillaume Bagay, yo wè la ka monsieur qui fait nèg yo pa permis monsieur. Mal di nou deuxième bagay. Nou ak Claude a marché promener dans toute radio, dans toute télévision. Nou ak Claude a marché promener dans tout pays. Si nèg yo te conscient, te convaincu que Claude t'a réglé un bagay sérieux avec Jovenel, Claude, c'est dans ma oncle tapis, je dis là. Ah, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce que je dis là. Nous ne pouvons pas arriver dans le niveau mieux là, même. T'aimerais dire ça, je dis là. Si Claude, si Negio, te connaît, depuis au fin de manger Jovenel, Claude, vie au tout fuck up. Avec Claude. Claude pas d'ap ka marché dans pièce radio. Claude pas d'ap ka marché dans pièce télévision. Claude pas d'ap marché à bail discours journée jodi a. Yo t'ap manger. Qui raison me fait ou pas ka manger Claude? C'est parce que yo gen garantie Claude pas en menace. T'aimerais dire ça à Ndiago. Pas que vous premier ministre, yon mange président, chef. Pour moun qui mange président, là, par les chefs, yon chita pour après tant comment on va réagir. Pour yon pas prétendre rétaliation, non, yon. T'aimerais dire ça à Ndiago. Si m'ta premier ministre, Jovenel président, yo mange Jovenel pendant premier ministre. Nan figim. Nou pense que nèg yo a bien dormi. T'aimerais dire nous encore. Ok. Imagine Jovenel nommé premier ministre. Mwen la vwa je chéri. Monsieur chef CSPN. Premier ministre en est dans le pays. Jovenel président. Est-ce que nous pensons, avant de prendre Jovenel, nous ne pouvons pas prendre avant? Pourquoi est-ce que nous posons? T'aimerais dire l'on go. Bon, bah, nous scénario. Andy Jovenel nommé Lavoisier Bossal premier ministre. Est-ce que vous pensez que Negio a fait complot pour manger président?
Ça, on va manger d'abord. Réfléchis une seconde. Qui n'est en est dans le pays d'Haïti qui t'a pas de chance manger président pendant premier ministre seulement manger d'abord. Nous est caca. Souta ouais. Souta ouais. N'est-ce qu'on mange Jovenel pendant premier ministre, quand c'est moi qui livre Jovenel. T'aimerais que ça me dit encore. Si nous t'a ouais, premier ministre, Jovenel, yo mange Jovenel pendant premier ministre, ton est boulé, c'est moi qui livre Jovenel. Jovenel mouri, et puis m'vivant, moi te livre. Parce que sécurité Jovenel, c'est moi te chef CSPN. Sécurité Jovenel, c'est dans même lié. T'aimerais dire encore. Peut-être nous pas comprendre. M'sais chef CSPN. Sécurité tout le monde dans le pays à l'en même. Et moi, chef Conseil de sécurité nationale en dedans pays. Et puis, yo quitté ma vie. Yo mangé président. Pendant que mangé président, posez-le la question. Et puis, viva. Et puis, vivant. Expliquez comment me faire vivant, président Moui. Premier ministre, président. Expliquez comment me faire vivant, président Moui. Expliquez-moi. Maintenant. Si nèg yo pa manje avant yo manje président. Si nèg yo pa manje avant yo manje président. Nèg yo konnen yo tout mouri après. Et vous connaissez. Vous connaissez. Depuis vous mangez président, ça vous va manger d'abord, vous mourrez flat screen. Vous pas respect. Vous n'êtes qu'un coup, vous finissez manger un président, même moi, je vais dire tout le bagage de contrôle. Vous pas respect ça, non? Vous connaissez. Mais vous êtes conscient que si nous pas manger la voisine avant, nous manger Jovenel. Si nous manger Jovenel, nous quitter la voisine comme premier ministre, monsieur nous mourir frère. Monsieur nous mourir. Parce que t'aimes bien. C'est mon deuxième citoyen après président. En dedans vie. Sous manger président. Sou manje président, qui garantit m gen qu'on va manger? Ah, nous pas avec. C'est moi deuxième citoyen après président. Ou manger président ou quitter m. Qui garantit ou gen?
que si ou qui t'aime, m'pap manjou. Et qui garantit que m'gagne, ou pap manje moi-même. M'tellement tellement qui garantit que pap manje, que m'pap mouri, pour m'dou tout bagage sous contrôle. Comment faire dit tout bagage sous contrôle? Ce qui base, yo mange un président, moi j'ai garantie à certitude que me pas mourir au point de dire toute bagaille sous contrôle. Président puis grand bassem. Président c'est premier citoyen. Yo assassinel. Moi vinn remplacer président. Qui garantit me gagner? Qui certitude que me gagner? Si nèg yo ka mange un président, que yo pas manger. Qui moi-même qui vient remplacer le président. Et on connaît. Depuis que j'ai président, normalement, si je suis allié président, je suis posé, normalement, réagir, manger les gens. Au lieu de réagir pour manger les gens, je vais avoir assurance que le système est sous contrôle. Yo mange un président. M'paraît. Moi dit tout le monde, don wa oui, calmez l'esprit ou tout bagage sous contrôle. T'aimerais dire ça m'a dit à l'encore. Nous allons poser peut-être nos questions. Si c'était Ariel, si c'était Ariel qui était pour pouvoir directement après Jovenel fin mouri, tout le monde t'a dit à clair pays a t'a chonomé Ariel. Ariel pas t'a pas dit rien sous contrôle. Ah, nous pas avec. Est-ce que nous connaît si c'était Ariel qui était dans plastique Claude, même les présidents mourir. Ariel pas d'abord, j'aime permettre de vous dire, tout bagage sous contrôle. Vous comprenez pour raison? Si nous faut vous dire pour raison, Ariel pas capable de permettre de vous dire ça. Moun qui vous dit bagage là sous contrôle là. C'est un monde qui a confiance. Partisan Jovenel, yo, pour calmer yo. Yo guys don't get it. Moun ki pou vin di tout bagay sous contrôle pour calmer partisan Jovenel yo. Son moun ke population considéré comme zami Jovenel lui en confiance lui pour mettre l'an pour calmer lui. Ah non pas avec. Non pas avec. Nous voilà, non? Papa, nous réfléchis, nous voilà. Sur qui base? Ariel t'a pas dit pays a tout bagage sous contrôle. Qui est-ce qui t'a pas écouté Ariel? Qui partisan Jovenel qui t'a pas écouté Ariel pour pas commencer à bouler pays a? Pour guerre civile pas éclater? Qui partisan Jovenel pour Ariel ta vini t'a dit tout bagage sous contrôle pour pas bouler pays avec tout Ariel? Non, t'aime dit nous mieux. Moun qui mieux placé pour calmer esprit fanatique Jovenel yo. C'est yon moun que fanatique Jovenel yo kwa nan li comme allié Jovenel. Depuis il dit tout bagage sous contrôle, tout moun a d'accord avec elle.
Parce que yo fait confiance à Jovenel. Nous n'avons pas dit là. Vous pas besoin qui bien monsieur moi monsieur. OK Bill. Adam va répondre. Nous n'avons pas dit là. Clair. Je répète. Ariel pas qu'a dit. Tout bagage sous contrôle. Fanatique Jovenel yo t'a boulé pays à sous contre Ariel. Guerre civile. Mais où est qui est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé un nèg. Il a connu que peuple là, fanatique Jovenel, fait confiance. Il a fait confiance. S'il dit tout bagage sous contrôle, tout le monde a fait silence. Ouais, caca. Effectivement, c'est ça que fait. Mais qu'on y a là, j'ai tout Jovenelisio, comment c'est clair, yo commencé à rendre compte que monsieur, pas de Jean-Marie Jovenel. Nous commençons à rendre compte que Claude, pas de allié Jovenel. Claude, c'est allié moun qui te présente tel ba Jovenel. Mais Claude, pas de allié Jovenel. Moun qui te présente Claude ba Jovenel, là, il est vivant toujours. C'est moun qui te présente Claude ba Jovenel, là. C'est lui qui bosse Claude. C'est pas Jovenel qui bosse Claude. Qui te bosse Claude. Vous entendez? Et, yon nan mère pour n'apprendre qu'on est. M'a dit ça là, je dis à la. M'a dit ça là, je dis à la. Claude Joseph pas d'ap travail pour Jovenel. Claude Joseph t'ap travail pour boss li. OK. Et je dis à la tout Jovenel ici commencer à rendre compte que Claude te gen propre agenda pale. Ah, tout le monde commence j'ai commencé à être clair. J'ai commencé à être clair. Yo commencé à rendre compte que Claude t'es qui agenda pâle? Claude tellement t'es qui agenda pâle? Qu'on y a négoré n'y a compte que Claude pas de jamais de problème avec classe politique là. T'es moué dis à m'dia. Négoré, tout Jovenel ici, rendu compte, journée l'audien, que Claude Joseph pas jamais gain problème avec nèg classe politique qui mangeait Jovenel. Des amis qui relèm zami an dim prof m'a comprendre a pas moi Claude a pas moi Claude al chita sous même table avec Assad Volsi qui t'a prélé fait manifestation qui t'a sacré et assassiné caractère Jovenel Moïse. Comment fait Claude Joseph al chita avec Assad Volsi qui t'a assassiné caractère Jovenel Moïse pendant ces temps si Claude a pédé dit oh oui yo assassiné caractère Jovenel Moïse.
Je dis, monsieur, c'est ou est Claude ou Baron Claude. Je dis, monsieur, c'est ou est Claude, Joseph, ou Baron Claude, Joseph. Je dis, c'est pas avec Assad seulement Bajida. Claude gen pou fè alyans avec tout nou moun nou tan de te cité dans assassinat Jovenel Moïse. Parce que yo pa jan wè Claude comme un nèg ki danger. Monsieur Rossi, c'est m'a pensé. Les monsieur gardé dernièrement li relè. Il dit oh prof, a pas moi ti Claude sous même table avec Linné Balthazar dans conférence de presse. On dit sous ou beaucoup rien. Oh prof, et bien Linné Balthazar PHTK qui a dit qui parle de notre manger Jovenel Moïse, on dit ou beaucoup rien. Il est là. Hein, ou te saisi l'el te chita avec Assad Volsi qui t'a assassiné caractère président. Quand y a là, ou bon go saisi en yen parce qu'on va chita avec Linné Balthazar. Nous dit gade moun qui te sous table là. Linné Balthazar. Imler Rebi. Nous dit gade bien moun qui te sous table là. Nous dit prends son gade moun qui te sous table là pour eux. Sinon, ok, si nous te suivons, bah ça, bon non, moun qui te sous table là. La conférence de presse à table. La monsieur dit moi oui, nous dirait de l'oral dans dégoser. Premier nèg qui prend chita pour le négocier pouvoir avec Ariel Henry, lire le Claude Joseph. Sous deux Joseph. Monsieur dit, soit dit, m'dit, t'aimes d'où bien. M'dit, premier nègre qui pralera les chaises li pour le chita négocier pouvoir sous deux Jovenel avec Ariel Henry, lire le Claude Joseph. Monsieur dit, oh! Ça dit m'la, m'di wap kon George. M'di an suiv. Tout moun de, Claude al palè, Claude al chita, avec Claude al chita, nan studio radio, avec Assad Volsi, m'di sa pou gonyen la, ce n'est que le commencement de la douleur. Yon prof la, mon cher, t'as raison. Mais Claude Alchita la baye conférence avec Linné Balthazar. M'di, so ap gat la, poko anye, sa ou e la, poko anye, sa n'pral gen la, pap jan manye, jojo de mi, jojo dormi de yo. Le Claude Alchita avec Assad Volsi, ne gyo dyo oui, c'est politique. Fanatique Claude, oui, c'est politique. M'di, ok. M'di, ok, c'est politique. Ça c'est numéro 1. Nous pouvons rien. Oh, c'est politique. Ok. Qu'on y a la Claude, Alchida sous même table. Conférence de presse. Même table conférence de presse. Avec Linné Balthazar. Qu'on y a, m'di, oh, prof là, ça date, m'di. So wap ou la, poko anye, sa wap gad la, pako anye, sa pral gen la. Oh, dernièrement yon relem, oh prof la, aba Claude soti, nan Montana, nan Réunion, Alchida sou tab négociation,
pouvoir à Ariel. Moi, je dis, ça, quoi, là. Je dis, monsieur, ça, wap, gade, là. Liba, bral, en yé. Ça, fait, ouais, là. Liba, gros, en yé. Ça, quoi, le, là. Liba, le, fait, en yé. Ou, gros, en yé. Ou, gros, contre, ça, Claude, là. Nous, gros, j'aime, nous, ou, gros, j'aime, contre, ça, Claude Joseph, là. Toute discussion, ou dans des cas faites là, yon poste li besoin pour Ariel Giril. Tout parlant pile négociation a un poste li besoin. Sans que son poste, Claude Joseph besoin. Claude Joseph, c'est premier nèg qui te dit. Tout fanatique Jovenel Lisio quitte Ariel en repos, les Ariel te quitte Claude Joseph, ministre Affaires étrangères. Oublié? Algarde de vous, nous, si c'est menti, ma fait. Les Claude Joseph fin by Ariel pouvoir. Ariel dit Claude, donc oui, l'Ikebe Claude comme ministre Affaires étrangères. Claude, t'as un problème à Ariel? Est-ce que Claude, t'as un problème à Ariel? Qui est-ce qui t'a campé? Qui t'a dit tout le monde? Nous, pas besoin, qui t'a Ariel dirigé pays? Et pas Claude? Et pas Claude qui t'a campé dans la radio, dans la télévision, lui dit, pour le Jovenel Lisio, accorder et faire Ariel confiance. Nous avons oublié. Ça n'a pas là. Pourquoi rien? Ça nous est là. L'imam jamais rien. Ça nous est là. L'ipra là. Gardez. M'a dit nous ça. Au compte de qui l'est. Moi, pas une différence. Entre nez qui assassiné Jovenel Yo. Classe politique, ça y est, Claude Joseph. Depuis les mouets, yo assassiné Jovenel. Et puis Claude a marché dans la radio, dans la télévision, en tant qu'on est qui était premier ministre Jovenel. Yo assassiné Bossou. Si yo assassiné Bossou, tout le monde a pensé que vous allez venger Bossou. Attendez. Tu me dis ça encore. Moun pour classe politique là ta pipé. C'est Claude Louis qui soit disant t'es allié Jovenel. C'est à Claudio qui a les yeux. Ah ouais! Bamboui! C'est à Claude Joseph qui a les yeux. Bon! Konya la, qui ça n'a dit de Tigui? Pour quelle raison nous pensons tout le monde, tout fanatique Jovenel Lisio, Remé Guy Philippe? Pour quelle raison nous pensons tout le monde qui était pour un coup Remé Guy Philippe? Vous commencez à rendre compte que si Claude son bleu fait, il va ramener des espoirs dans Claude. Ah, aïe, amour. T'es vrai, dis-à me dire encore.
tout fanatique nous donne des cap bat bravo, fanatique Jovenel nous donne des cap bat bravo de Guy Philippe. Tout la Guy Philippe t'es dans prison. C'est dans des articles de Dieu. C'est des articles de papa chai. Attendez. Oh, Cyclone Pabéchaï! Cyclone Pabéchaï! M'a suivre. M'a suivre. Laisse à Guy Philippe à griller prison. Guy Philippe à griller prison. Chaque qu'on dit, chaque qu'on vit nous dit, Cyclone Zomblo fait lier. Oui, oui, oui. Cyclone Pabéchaï! Cyclone Dédé! M'a suivre. M'dio, m'dio, t'y clôt son bloc, c'est la farine, t'y clôt, n'a pas de yo, pas quoi. Oh, t'y clôt, pour le voyage, y'a l'allé, m'di, n'a qui livre. Vekele. Oh, t'y clôt, qu'a voyage, y'a l'allé. M'dio, n'a qui livre, et tant d'oujou. Rale, chèze, nous chita. Gale. Gardez. Oh! Cyclone lié! Cyclone pas le voyage qui finit par aller, me dit c'est ça. Me dit bon, moi, les chaises, me bon, suivre toujours. Pour moi, qui l'aime, c'est bral, qui l'aime, Ariel bral, y'a. Léo, gardez. Yo, à Cyclone, c'est un costume vert, là, mettez. Me dit maintenant qui caca. Je venais l'issue du président mouri, mais Ticlot c'est Ticostime vel lampé de mété. Ticlot gosse de Ticostime vel. La mété, le bouton est devant yo. La dit peuple là, oui, c'est le bon. Yo dit, bégado caca. Au président assassiné, mais calambe yo, bah, son Ticostime qui souli. Et puis, oui, Ticlot pas méchaï. Ticlot pas méchaï. Moi-même, c'est ça, je venais l'issue dit, mais gars, non, caca. Mais qui ça nous plaint, là, avec Ticlode, là? Pourquoi comprendre, là? Ticlode, oui. Chita. On y a, on commence à faire quelques chalets. On dit, gardez-vous, tout ça va nous faire manifestation, là. Ticlode, c'est une radio, la télévision, sur Internet, c'est l'alba, les Allemands. Les Ticlode, on va me battre au chalet. Moi, je dis, Ticlode, pas mettre la tête. Ticlot ton Ariel. Ticlot ton Ariel bralé. Côté Ariel bralé. Nations Unies. Et puis Ticlot dit. Ticlot descend. Fanatique Ticlot pour Ticlot de série, oui. Oh oui. Nous voilà qu'à Ariel. M'chita sous grand écran, m'a regardé Ticlot qui voilà qu'à Ariel. Oui. Ariel mouté avion. Ariel allez Nations Unies. Et puis Ticlot. Oh, Ticlot pas méchaï! Ticlot! Ah, Ticlot ton Ariel monte à l'avion. Ah, là, c'est. Eh, on est fou là, il a un dévideur. Ticlot, on est fou là, il a un dévideur là, non? L'île ton Ariel, allez, Washington, et il va être, oh, yeah. Bon, Ticlot pas méchaï! M'gwal ka Ariel, li kon Ariel va la, li kon Ariel Washington, ou l'bal ka Ariel. Et bien, les jeunes ont dans, ils ont dans la tête pété, comme dit, Ticlot pas méchaï, Ticlot pas méchaï. Bon, moi, je vais, et on a que by plaisir, en début, là, non? Konya la, partisan, fanatique Jovenel, yo pot ko comprendre game nan tou, yo pot ko comprendre Ticlot. Yo pot ko comprendre Ticlot. Kon ya, yo di men, a pa Ticlot son rancé. Genè ki commence à prendre yo compte que Ticlot son bluffé. Ticlot son rancé. Ticlot son bêtise. Ticlot di n'a pas konn Georges. Parti politique li la promouvoir. Gonè ki di ko sa, oh, prof! Mais moi, Ticlot, gen parti politique li, y a pas des moun ki gen nan parti politique li, non?
dit ti klou gen parti politik. Oui, aide. Dit ti klou gen parti politik gen et pas des moun ki gen. Il s'est dit oui, ti klou gen un paquet moun nan aide, m di menti. M di monsieur bon di ti kozi. Ki te m descend nan li nan pays là. Mwen gon 50 ou 60 millions de dollars. Et puis mettons parti politique sous pied. Mwen bon yon 1 million là. Dans l'espace de 1 an, tout le monde qui est inscrit dans le parti de Claudio, dans l'aide, tout a venu de nous. Monsieur dit, ça dit blab, dit tant de bête, beaucoup. Dit, vous avez pensé, c'est Ti Claude. C'est parti politique qui a dit, Mounsa ou Vinladen. Non, yo maintenant, Mario Ti Claude, t'es premier ministre. Les gars fait au jeune bous, Ti Claude bien contact et vous êtes sur le coup il y a le parti politique là, Ti Claude là, c'est vrai, Ti Claude, mais c'est dis beaucoup, tout ça ouais là qui dans parti politique, comment vous avez aidé, dis ok, comment vous avez aidé. C'est moun kap chèche opportunité, kap chèche opportunité, yo recrute premier ministre, yo pense Claude gen contact, kala gen yo dans vieux consulat, dans vieux ambassade. Yo monte pour la Claude. Na aide? Ndi ki dem gon 60 millions de dollars la m descend dans le pays. Et puis kounya m commencé là, j'entendais là, m commencé ba ti activité, m commencé ba ti chaque ti communio là, ti kop pou yo fait ti activité, pour ba manger diri a pwa. Et puis mettez maillot sur vous. Mon Dieu, tu après toi, tout le monde gagne maillot sur nos autres. Je dis ça, dis-moi là, direct. Quittez-moi. On va comme nous. On vient 6000 dollars là, on paraît dans nos zones là. Tout le monde ouais qui gagne maillot vert, ticlo dessus, voilà. On n'y paraît là, on fait vieux chaudier diri à poids avec l'huile. Ou baillot avec, vous mettez maillot sur là. T'as là, tout le monde campé à maillot, on fait photo. Et puis, j'entends de la guerre sur Facebook. Ou gagne parti politique. Dit un parti politique. Il dit, quel parti politique? Il y a une idéologie parti politique, Ti Claude là. Qui idéologie? Sous qui base idéologique parti a fondé? Allemand de yon moun bou. Sous qui base? Il y a une idéologie? Ah, ben, plouvez. Oh, ouais, tout le monde a arrêté là, ouais. Tout ça, on a fait cinéma, yon là, derrière Ti Claude là. Il dit, monsieur, elle fait exemple là, ouais. Gardez, ouais. Les manifestations. Ti Claude t'a fait manifestation. Ou t'es jambes ou la rien pile. Mais les Ti Claude t'a fait bagay dans mon, dans hôtel. Tout vicieux ou met maillot sous yon achita dans hôtel. Pour yon ton de Ti Claude. Son jeunesse vicieux. Mais c'est du coup ça. Ça m'a fait, oh, m'a 60 millions. M'entrer dans le pays, ya. Qu'on y a lancé belle bar officielle, au prix première rencontre, nous, dans Montana, bagay, nous va faire gros rencontre dans Montana. Juste, ça, tout le monde t'a porté bourré, ou pas besoin de tout, ou pas de là, donc, en pile, vous t'a porté bourré là, bayo mayo, pour y apporter, puis surtout, elle a fait photo, les peuples envahis, tout le monde, bah, si vous qu'on baye un petit bar pour manger, y'a un espoir, y'a une sinistré. Son peuple qui rêve sinistré. Son peuple qui est un sinistré. Dans le bayon sinistré là, yon prend la rue. Gen des bagages pour contrôler. Pour mener peuple ça. Sinistré. Avec Rara. De vous bayon peuple ça, des bagages à yon. Yon prend la rue pour. Sinistré. Avec Rara. Tu as la rue tout à pour Marie, la rue à mettre Marie sur eux, et puis après les vivous. Vivous, hey! C'est italien, bon pays, ma bataille pour lui, c'est là, ou bah, on t'y vacabon t'y cob, et puis t'y cacabon, ça, au campé devant radio, devant télévision. Oh oui, ma pourri pour eux, bon blé, c'est monsieur lié, regardez, n'a pas coupé la tête, allez, pas que vous ne pouvez, t'y clope pas ma chaille, n'est-ce pas besoin de connaître ni un ou ni un blanc. Ou ballon Ti Claude, ou ballon 500 goud,
ou bien on balance 15 goud, on 400 goud, et puis il parle pour le parler devant télévision, devant écran, nèg avec ti caméra yo, ti journaliste yo. Le soir passé, non! Regardez! Ariel m'a veillé à blanche! C'est bon, ça lié! Elle est avec nous, mais c'est tout le monde à c'est comme ça, nèg ça, au vive. C'est raquette politique, oui. C'est comme ça, au vive. C'est pour paraître devant télévision. Parce que faut vous paraître devant télévision pour vous montrer que, vous faites travail là avec Ticob là. Ticob, vous bah, faut vous montrer que vous travaillez pour lui. Là, vous n'êtes pas paraître devant télévision. Ou n'êtes pas paraître, il dit, bah, ben, il y a blanche! Moi-même, je souffre, nous n'a pas passé! C'est Daniel Laurent! Son raquette politique, yo, bah, un Ticob, pour justifier Cob là, il paraît devant toute caméra. Après ça, le chita, là, le mangeon à l'équin. Après ça, le chita, là, le mangeon, vit à l'équin. Et puis, il fait travail. Mais de quelle différence qui gagne entre Claude et Guy Philippe? Les peuples a gardé lui, il va pas. Les jeunes ici, ouais, il va pas faire Claude confiance. Ticlot, c'est fou, là. Yo la gede mouskade. Yo dit, c'est mouskade lié. Yo remè mouskade. Mais les mouskade, yo wè mouskade poko ka pran peyi ya. Niveau et Ariel ali, parce que mouskade a travail pour Ariel. En tant que CG. Konya, nègyo, Mounio dit bon, si Claude Jean Blou fait, Mouskade n'y a volonté, mais l'imare dans pied l'État, celle qui était là, c'est Guy Philippe, oui. Celle qui était comme l'espoir, je venais d'ici là, c'est Guy Philippe, oui. Celle Guy. Maintenant, problème qui pose. Qui ça qui va le faire? Est-ce que c'est mouvement général, soulèvement général? Ou bien est-ce que c'est révolution? Sous fond analyse du discours, dans le discours que Guy gagne, ou après Guy Philippe, en quelque sorte, les situer entre deux bagailles. Discours monsieur a situé entre deux formes de violence politique. Les soit qu'a débouché sur une sorte de soulèvement général, ou bien les débouchés sur une révolution. Mais est-ce que Guy Philippe a fait une révolution? Nous connaissons Guy Philippe qui a fait une rébellion armée. Guy Philippe, son stratège, Guy Philippe, il a une capacité d'organisation, de mobilisation. Mais est-ce que Guy Philippe qui a fait une révolution? Il y a une raison qui fait, nous ne pas dire Guy Philippe qui a fait une révolution. Même les que toutes les conditions réunies pour une révolution. Premièrement, c'est que, l'on va faire révolution, on va dire, c'est pas un bagage ou parler. Guy Philippe, posture li prend, c'est une posture de soulèvement général, c'est pas une posture de révolution. Deuxième bagage, c'est que, dans le discours Guy Philippe, attaquait Saint-Omio. Il parlait, il attaquait insécurité, il attaquait corruption. Mais monsieur pas attaqué, mettre système non. On va parler de mettre système non. M'a parlé de groupe en quelque sorte Milati au Libanais avec blanc qui gagne contrôle système non. Ceci étant dit, troisième bagaille qui fait m'bagadi ces révolutions, c'est que c'est appel qui fait faire. Là faire révolution pas faire appel avec peuple. Pour le soulever, l'on va faire révolution, ou pas faire appel avec ni la police,
ou pas faire appel avec ni l'armée, ou pas faire appel avec ni pièce, groupe qui est attaché avec l'État. Parce que objectif une révolution li contraire avec force régalienne qui est en place. Ça va me dire on est qui la police pas qu'a intégré une force révolutionnaire. Ça va me dire autant on est qui dans militaire pas qu'a intégré une force révolutionnaire. Ça va me dire autant on est qui dans BSA pas qu'a intégré une force révolutionnaire. Moi même m'a parlé de façon classique générale. La foi révolution contre un système ou pas qu'à prendre les outils système là pour utiliser le contenu. Pour organiser une force révolutionnaire, faut réfléchir avec les outils qu'on a besoin. Ok? Est-ce que ou à former une force armée, ou à besoin de financement, ou à besoin de financement, ou à besoin de ressources, armement, et ou à besoin au-dessus de tout, ça nous relie à idéologie. Logue est tout OK. Logue vous n'avez dit moi te comprendre c'est toute couche sociale qui fait non. Toute classe sociale pas classe sociale, couche sociale pas jamais confondre ensemble. Parce que il est structuré dans la société là. Révolution pas faite avec couche sociale. Ça sont vieille conception sociologie politique que ont enseigné dans les universités occidentales, ça fait pas jamais marcher. Ça c'est confondre soulèvement avec ça relève révolution. Couche sociale, l'on dit couche sociale, l'on parle de couche sociale, mot couche sociale là, n'est pas compatible avec concept révolution. Soudain dit classe sociale, n'est pas compatible à concept révolution. Parce qu'on a parlé de lutte des classes. Mais tout dit couche sociale, pour révolution, n'est pas vrai parce que y a pas de même intérêt. Révolution, fait de yon classe, qui conscient contre la classe qui a dominé. C'est ça la révolution. L'on dit couche sociale met ensemble. Ça va jamais faire parce que intérêt est divergent. Comment on va faire mettre ensemble si intérêt est divergent? Yo classe sociale, son classe qui conscient de intérêt. Il y a conscience de classe. C'est ça la classe sociale. Couche sociale, c'est inventé. C'est l'Occident qui inventé. Concept couche sociale là pour le faire dormir. Qui ça aurait des couches sociales? Et rance! Et bah, t'es couche sociale, ça couche sociale là. N'a répété, et vieux concept. Qui intérêt aux couches sociales gagné? Soit parler, ok, soit faut sociologie politique en Haïti. L'on dit couche sociale, identifiez couche sociale au moins. Qui couche sociale ou gagné? Identifiez vous. Ça veut dire, là, pour faire une bonne analyse d'abord, faut peser concept, oui. Faut peser concept, yo. Faut regarder, est-ce que concept, yo, solide? Est-ce que concept, yo, pas misguide ou? Est-ce que yo, pas utilisé, yo, pas construit concept, ça, pour capable, faut faire fausse route? C'est ça, yo, relais, ou vin biaisé au niveau conceptuel. Parce que concept, quoi, utiliser, yo, concept, ça, yo, pas clair. Ce sont des concepts qui flouent, qui pas de aucune correspondance dans la réalité socio-économique. Tout du coût social. Identifie un coût social, vous-même. Et puis, dis-moi qui est intérêt. All right. Maintenant, ouais, Carole dit, c'est classe sociale. Voilà! Classe sociale! Mais problème, concept classe sociale, là, dans la conception marxiste. L'on dit classe sociale, pour parler de classe, c'est une catégorie de un groupe monde qui gagne même intérêt, et yo conscient de intérêt. C'est une conscience de classe. Yo appartenu à un groupe
qui conscient de tête, c'est ça Marx relait classe sociale. Et deuxième bagaille, Marx parlait, il parlait de lutte des classes parce que intérêts yo divergent. Puisque gen intérêts yo antagonistes, des fois yo entré en contradiction. Yon groupe qui possédait a dominé groupe qui pas possédé. Yon groupe qui gen moyen, qui gen contrôle moyen, on classe qui gen contrôle moyen de production a exploité leur classe là que Karl Marx relé la classe prolétarienne, classe qui pas gen ressources, celle ça gen nan men, c'est ça relé force de travail, c'est lui même la vente avec classe dominante là qui c'est classe capitaliste, d'où Karl Marx considéré deux classes ça yo antagonistes parce que yo gen intérêt yo divergent. Et c'est pour tel qu'on dit, on parle entrer dans lutte des classes. Mais il faut que classe prolétarienne, non, des consciences de classe li. Et yon nan bagay, Max, tabal bat pou éviter, lèl parle de conscience de classe là, c'est pour ça yon les classes moyennes. Effectivement, Max te getan anticipé sur les intellectuels capitalistes qui pral inventer yon la classe intermédiaire comme écran que yon relè la classe moyenne. Et c'est classe moyenne nan qui fait que pas qu'il y a une révolution en dedans société capitaliste. Classe moyenne nan. Parce que classe moyenne nan, c'est une classe qui n'a pas conscience de classe. La classe moyenne, li trouve entre la classe et prolétarienne, masse là, et classe dominante nan. Classe moyenne nan, c'est le plus dangereux. Ok, c'est le plus dangereux parce que en réalité, j'ai camarade l'a dit là, ok, il n'y a pas d'existence, oui. S'il y a une existence pour te relever la classe, faut ta gagner, faut ta conscient de intérêt. Mais en réalité, la parle d'intérêt économique, mais en réalité, classe moyenne est consciente, il est conscient que le pape j'aime collaborer avec peuple pour lever compte classe capitaliste. Parce que la classe moyenne est fille de la classe capitaliste. Il n'y a pas qu'à lever contre mettre lui. Qui a accouché. La classe moyenne, c'est eux-mêmes qui a accouché. Il n'y a pas qu'à lever contre lui. Il y a là pour jouer au rôle écran, pour barrer route à toute forme de révolution. En dedans société. Elle a dit, faut bien maîtriser. Faut bien maîtriser concept yo, parce que sou pas maîtriser concept yo bien. Et depuis hypothèse de départ là, depuis a priori, depuis base conceptuelle là pas solide, t'es pas bien chita, li pas clair, gen flou, gen confusion au niveau conceptuel, c'est normal pour résultat ou bien conclusion hein, li fausser parce que cadre référentiel ou base conceptuelle ou li pas solide. C'est ça que faut faire très attention avec choix concept à utiliser lors fond débat. Lors d'un cadre débat, faut toujours faire très attention avec choix concept à utiliser parce que concept yo yo pas neutre. Les concepts ne sont pas neutres. Que ce soit concept abstrait, que ce soit concept concret qui est correspondant dans la réalité matérielle, yo pas neutre. Yo pas neutre. Yo chargé de sens. Yo chargé de sens. Comprenez? So, faut faire très attention là, faut analyse conceptuelle. OK? Pour bien faire analyse conceptuelle, yo, de façon à ce que, pour qu'on connaît qui usage ou doit faire de tel ou tel concept, dans quelles circonstances, dans quelles conditions que m'ka employer tel concept comme outil mental opérationnel pour m'capable inscrire tête, démarche, moi, argumentation ou bien perspective, ça m'a fait là. Défendre tes oui. Maintenant, ceci étant dit, à partir de ces éléments, ok, à partir de ces éléments, est-ce que nous capables de parler de révolution avec ça qui Philippe a fait là? M'boko ouais signe pour me parler de révolution. Moi ouais signe des indicateurs pour me parler de soulèvement général, le plus souvent qui pas contre le système, mais qui plutôt contre Sayourili et Ariel. Ok? Et yon nan bagay qui est important,
pour me dire nous, est-ce que si poser tête nos questions, qui vrai problème pays d'Haïti? Si vous dites sécurité, vous êtes mon gifou. Si vous dites corruption, vous êtes mon gifou. Si vous dites Ariel, vous êtes mon gifou. Un, insécurité va commencer à Ariel. Deux, corruption va commencer à Ariel. Grand goût va commencer à Ariel. Misère va commencer à Ariel. C'est-à-dire que si on monte à dou que c'est Ariel, qui problème non? Dis pas vrai. Ariel c'est un élément dans problème non. OK? Parce que Ariel barre route peut-être qu'il a constitué un obstacle pour vider système dans la tête. Mais on réfléchit plus profond. Si me lever matin là, nous retirer Ariel du pouvoir. On dit nous retirer Ariel du pouvoir. Est-ce qu'il y a bien moun qui a pris les vives Guy Philippe encore? Est-ce que Guy Philippe a pris le soulèvement général encore? Nous, fondamental, ou est la question? J'anticipe. Il y a fait m'a capable de révolution. Ni soulèvement général. Ça me voulait poser comme question. Si système n'a ouais, Guy Philippe t'es sérieux. Si système n'a ouais, Guy Philippe sérieux. N'est-ce pas l'affaire? L'a déplacé Ariel pour le résister. Elle a dit que ça l'a fait. L'a fait Ariel tourner en bouc émissaire. L'a liquidé Ariel. L'a liquidé Ariel. Tout le monde prend le fret. Si le système n'a gardé l'ouest, c'est Ariel qui problème non. Pour nous. Et lui-même, il a besoin de survivre. Il a besoin d'exister. Qui ça l'a fait? L'a liquidé Ariel. Et puis, qu'on y a, Guy Philippe pas besoin de marcher dans le pays encore. Guy Philippe, si Ariel va sous pouvoir, ça Guy Philippe va le marcher avec. Campagne politique, il va le mener pour la l'élection. Qui ça va le marcher avec? Qui ça va Guy Philippe va le faire? Qui a pile moun là, qui marche, qu'après les vivre Guy Philippe, c'est parce qu'il y a un problème à Ariel. Mais pas parce qu'il y a un problème au système. Qui a pile moun là, qu'après les vivre Guy Philippe, c'est parce qu'il y a un problème à insécurité. Mais c'est pas parce qu'il y a un problème avec système. Qui a pile moun là, qu'après les et vive Guy Philippe, c'est parce qu'il y a un problème avec corruption, mais c'est pas parce qu'il y a un problème avec un système qui l'a depuis plus passé 200 ans. Gen pile moun la kapre le Guy Philippe, vive Guy Philippe, c'est parce que yo ta remé à l'Haïti, al manger poisson boucané. Yo pa dedans qui veut fuck about système. D'ailleurs, yo pa même konn sa ton système même. Et 90% moun ou kapre le vive en dedans là, kap marché de Guy Philippe, yo pa konn ki ça. Guy Philippe voulait bataille contre. Mandez qui ça yo vle, Guy Philippe fait. Je pas connais. Mandez OK. Guy Philippe a bataille contre système. Mandez qui yes qui met système nan, je pas connais. Mandez qui ça système nan ye. Je pas connais. Mandez qui pou yo là, c'est Ariel qui système. Donc pile moun kap aplodi là, c'est Ariel qui système nan. Gen pile moun la kap aplodi. Tout problème nan, yon problème système, c'est insécurité de problème nan. Gen pile moun la, c'est corruption de problème nan. Alors tout bagay sa ou c'est phénomène yon yon. Ni Ariel c'est phénomène, ni insécurité c'est phénomène, ni corruption c'est phénomène. Mais là, du système, c'est un autre bagage ouvert. Si, révolution pas faite pour amateur. Révolution pas faite pour amateur. Révolution pas parler dans la radio. Révolution pas parler dans la télévision. Révolution pas faite, pas parler dans, pas discuter sur les réseaux sociaux. Révolution pas marcher dans tout pays à bagay non dans coin pays non la révolution. Révolution son bagay qui spontané. Li planifié mais l'elle fait, li fait de façon spontanée. Moun pa konnen, moun pa même conscient de ça.
C'est retour, ouais, boum, révolution. Parce que c'est toujours un noyau dur qui décide de une révolution. Un noyau dur qui est conscient. Un noyau dur qui réfléchit. Un noyau dur qui a réfléchi à une nouvelle société, à une nouvelle ordre social. Comment? Un noyau dur qui parle les systèmes à la, qui a réfléchi à un système alternatif, un autre système, qui a réfléchi sur qui moyen on va l'utiliser pour vivre des systèmes à la tête. Ça, noyau dur, ça, c'est le cœur de la révolution. C'est lui-même qui va le tourner gouvernement de transition provisoire de la révolution. C'est lui-même, en quelque sorte, qui va le tourner le comité central pour consolider la révolution. La révolution, les parler vont bon matin, on baron mon micro, et puis le tombe marché a fait sensation. La révolution, puis là, nous confondons révolution et mouvement. Ok? Il y a un mouvement, c'est, qui fait phase, qui fait partie de phase préparatif, dans condition pour gagner une révolution. Par exemple, dans la colonie, il y a des mouvements. Mouvement des colons, mouvement des affranchis, mouvement des esclaves. Oui, de gain mouvement. Mais un seul mouvement, les quitter phase mouvement, dans dynamique, les passer à phase pour l'accoucher, révolution. Mouvement des esclaves. Mais puisque c'est un mouvement, le dit, l'elle vient accoucher, révolution. Qu'on y a eu pas de réfléchir avec après, révolution. Ce qui fait que y a accouché, révolution, hein. Y a mettons l'État un peu en place. Maintenant, les contradictions internes, ok, les contradictions internes avec ben c'est lui-même en quelque sorte qui ben la révolution, Jung qui dit selon Marx, la révolution est une nouvelle ordre mondial. Oui, Caleb mon désir. Oui, en quelque sorte. Mais faut pas mélanger bayo. Révolution ses outils pour accoucher ordre social là. Il faut pas confondre la finalité avec le moyen. OK? Le moyen par lequel pour accoucher ordre nouvel ordre mondial là, c'est la révolution. Ouais, c'est la révolution. Et ordre social là lui-même c'est nouvelle ordre social là, c'est finalité là, c'est le but recherché, c'est l'idéal, c'est l'idéal. Maintenant, pour me conclure, est-ce que dans ça n'a pas assisté avec Guy Philippe Lan, comme dit Bonheur toujours, est-ce que nous cap parler de révolution ou bien de mouvement général? Moi-même, d'après toute analyse que me fait là, d'après toute donnée que me gagne en même en attendant, moi capable dit Guy les plus sous yon route de soulèvement général que sous yon route de révolution pour accoucher yon nouvel ordre social. Moi dis nous merci et donc plaisir vous me dire avec nous aujourd'hui là. Remets-nous en pile. M'espérer en quelque sorte que nous dépassons un très très bon moment ensemble. M'espérer que nous t'es en quelque sorte puisé dans tes chances à. Ouais. Et me font j'ai quand même bah dit que tout samedi yo exhaustif. Bah dit tout samedi yo c'est ça le doyer. Bah dit tout samedi yo c'est ça. Yo yé. Mais cependant, moi présenter point de vue par moi. Me présenter compréhension pas moins à partir des outils des éléments que m'y en a même me faire une analyse pour nous au moins capable d'une idée de qui ça nous car expect et attendre de ça Guy Philippe a fait là. C'est ça me fait là aujourd'hui là et moi salue nous dans ce sens ça m'espérer nous même nous utiliser et l'autre moyen pas nous. Si nous avons d'autres formes de connaissances, si nous avons accès à d'autres données,
si nous gagnons d'autres éléments, nous sommes capables d'intégrer l'autre élément ça yo en dedans analyse là, et puis nous capables tirer en quelque sorte propre conclusion par nous par rapport avec conclusion préliminaire que moi saute bah là pour aboutir là. Moi souhaite de passer bonne fin de journée, moi remets nous en pile, beau salon fois beau sal tout le temps. Ciao, à une prochaine fois.